J'étais responsable des femmes réfugiées du camp du Burkina Faso pendant 3 ans. Et maintenant, je les assiste à leur retour à Bamako avec mon association. On fait la scolarisation des enfants, on fait tout ce qu'on peut faire. Et donc, mon assistance actuelle, c'est les hébergements un peu. On est tout originaire du Mali, de la région de Timbuktu. Mais aujourd'hui, que vous voyez, les gens sont obligés d'être là parce qu'il y a une grande insécurité aussi dans la région. Donc, les gens ne peuvent pas aller s'installer vraiment comme il faut. Donc, pour le moment, on va essayer de les apprendre des métiers ici avant le grand retour. Parce que ce qui est sûr, qu'un jour, les gens vont retourner. Donc, s'ils apprennent à faire des teintures, des coutures, le commerce, c'est quelque chose qu'ils vont apporter là où ils vont avec. C'est une femme nomade, c'est une femme qui ne comprend pas ce qui se passe parce qu'elle n'a pas étudié. Elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas appris des métiers. Les seuls métiers qu'elle sait faire, c'est un peu l'artisanat. J'ai dit femme nomade, mais en réalité, toutes les femmes ont besoin d'aide. Et maintenant, elles ont commencé à prendre le commerce parce qu'en réalité, c'est la seule chose aujourd'hui qui marche beaucoup. Parce qu'avec les animaux, la sécheresse vient, ça part. Mais avec le commerce, elles vont se débrouiller. Même dans les camps, j'ai initié un grand projet d'AGR où les femmes ont eu de l'argent pour faire du commerce. Donc maintenant, elles ont commencé à prendre les teintures, parce que les voiles font les teintures, elles font les couleurs. Tout ça, c'est un apprentissage qu'elles ont appris, qu'on a commencé, que nous, on a initié. Beaucoup d'autres projets ont initié pour essayer d'aider les femmes, pour qu'elles puissent être, comment on appelle, indépendantes, et qu'elles puissent se débrouiller dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler. Avant, les femmes, on est gâtées par nos hommes, mais maintenant, nos hommes n'ont rien aussi. On est obligé de les aider. Hein?